19 septembre et je suis enfin dans ma nouvelle maison. Et là, aujourd'hui, il est grand temps de commencer à aménager mon nouveau bureau, là où je vais passer beaucoup de temps à traiter mes photos, faire ces vidéos. Et j'ai aussi hâte de vous présenter un petit peu tout mon espace de travail. Donc là, ça ressemble à ça pour le moment. Ça ressemble pas à grand chose. Bref, j'ai beaucoup de travail et je vous montre ça un petit peu. On est le 1er janvier 2024 et je suis content de enfin vous présenter mon bureau fini. J'ai un espace de travail qui me convient totalement et je suis content de travailler dans ces conditions-là. Et dans le prolongement de mon déménagement, je vais vous faire un petit bilan de cette dernière année et un petit peu, je vais vous parler aussi de mes projets futurs, mes projets pour 2024, voire au-delà. Alors commençons par cette chaîne YouTube. Donc j'ai réussi cette année à sortir 25 vidéos, donc je suis assez fier, j'ai tenu le rythme sur quasi toute l'année. En bref, je suis très content de ce que j'ai pu produire sur cette chaîne et j'espère que ça vous a plu. A priori ça vous a plu et on est de plus en plus nombreux, même si j'ai une petite audience, mais on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je suis très content de ça. Avec 2023 aussi s'achève ma vie à l'Etanto. J'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet, sur le fait que j'ai déménagé de Metz, j'ai quitté l'Etanto et j'habite maintenant plus proche de Béziers. Donc l'Etanto reste proche, mais ça a été vraiment un travail long terme de 2 ans que j'ai pu produire sur cet espace, et je pense que j'ai pas fini tout ce que je veux, mais ça va être un des objectifs dont je vais vous parler plus tard. Et donc je suis obligé de parler de ça. Du coup j'ai enfin déménagé, on est complètement installé, on se plaît beaucoup dans cette maison. J'ai déjà pu faire de nombreuses sorties en baladant mon chien et avoir pas mal de clichés, je pense, dont je suis déjà très fier. Et aussi quelques idées de futures photos que j'aimerais produire sur le village et les villages alentours. Ça me plaît toujours autant de mettre en lumière ces endroits. Pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent peut-être ma chaîne depuis pas longtemps, je suis photographe, mais j'ai quand même une activité à côté. Pour le moment, je n'ai pas assez de rentrée d'argent liée à la photo pour en vivre à 100%. C'est un objectif que j'ai sur le long terme, c'est d'en vivre tout simplement, de vivre de la photographie, donc au travers peut-être de ces vidéos, de l'aspect plutôt artistique, avec des ventes de calendriers, des ventes de tirages, des ventes pourquoi pas de stages photo, mais aussi je néglige pas tout un autre aspect de la photographie qui est un petit peu plus lucratif et qui me plaît tout autant, c'est l'aspect donc mariage, photo de reportage, photo de couple, photo de chien, photo de naissance, qui me plaît aussi du fait que j'aime mettre en image tout simplement. Donc ça peut être vraiment des sujets très variés et c'est on va dire mon métier de rêve. Et dans cette chaîne, pour l'instant, je vous en ai très peu parlé, je vous parlais principalement de mon côté artistique, mais très peu du fait que je fais de la photo aussi à côté, tout simplement pour en vivre. Donc en cette fin d'année 2023, j'ai pu avoir quelques projets professionnels, donc j'ai eu notamment un mariage sur cette année, j'en ai booké un sur l'année prochaine et j'en ai peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Je suis très fier aussi parce que sur le plan justement paysage, j'ai fait mon premier contrat, j'ai fait un contrat de cession de droit, donc partiel parce que j'ai toujours les droits sur mes images, mais j'ai vendu 10 photos à l'archipel de Thau, donc qui est l'office de tourisme de l'Etanto tout simplement, et je leur ai vendu donc 10 images que j'ai pu faire sur ces 2 ans pour qu'ils puissent faire la promotion du territoire. Donc je suis très très fier de ça, j'espère pouvoir retravailler avec d'autres offices de tourisme, pourquoi pas. Et aussi 2023 marque mon entrée dans le monde de l'argentique. J'ai pu commencer avec l'appareil qui est juste ici, le point and shoot Fuji, qui me plaît beaucoup, que j'ai pris aussi en Irlande, mais qui m'a fait défaut parce que, comme un abruti, c'est moi qui savais pas mettre les pellicules, et donc j'ai complètement foiré quasi toutes mes photos. Mais ça, c'était ma faute, donc j'ai commencé par un point and shoot, donc en entier automatique, et là, depuis peu, je vais vous en parler notamment dans une prochaine vidéo qui devrait sortir sur le Mont Ventoux, où j'ai pu commencer à prendre en main le Canon AE1 que j'ai eu depuis pas longtemps, et
futurement, on a un autre appareil qui, je pense, fera l'objet d'une autre vidéo qui est encore plus haut de gamme que le Canon AE1. Donc, j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus en détail. Et donc, l'argentique, pour moi, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre. C'est aussi très stimulant de photographier avec de nouveaux outils. Dès qu'il y a de la nouveauté, de toute manière, ça rajoute un petit peu d'excitation, ça donne l'envie de refaire des photos. Et je trouve ça intéressant de ne pas se contenir dans un type de photo et de toujours explorer, ce qui permet d'entretenir la passion qu'on a pour la photographie. Et je pense que je vais petit à petit en faire de plus en plus en fonction de mon budget, parce que l'argentique, ça coûte cher. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à apprendre avec ce nouvel outil et j'ai hâte de vous en montrer un petit peu plus et de trouver des séries photos spécifiques avec l'argentique. Sur cette dernière année, j'ai aussi pu vendre mon calendrier 2024 que j'ai réussi à financer sur Ulule à pile poil à 100%. Donc j'avoue que j'ai un peu stressé, j'ai surestimé le nombre des ventes que j'allais faire parce que j'avais réussi à atteindre ce chiffre-là l'année passée et je me suis dit qu'avec mon audience qui grandit, j'allais réussir à faire plus, mais j'ai fait pile poil pareil. Et sur le moment, je l'ai vécu quand même comme un échec parce que c'est un des seuls moyens que je donne pour financer cette chaîne, financer la photographie de paysage et j'avoue que c'était pas au rendez-vous des ventes que j'espérais, mais je remercie tous ceux qui l'ont pris et grâce à vous, ce projet a pu se faire et va pouvoir financer aussi un futur achat dont je vais vous parler par la suite. Et enfin, dernier projet que j'ai pu faire en 2023, ça a été le marché de Noël de mon village que j'ai pu faire en vendant des cartes postales, des affiches. Et là, ça aussi, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, dans la vidéo où je parle de mon Canon AE1 et comment je l'ai eu, parce que c'est une sacrée histoire. Donc maintenant qu'on a parlé de 2023, on va pouvoir parler des projets futurs, de mes ambitions sur les années qui arrivent. Donc comme vous l'aurez compris, mon ambition première, c'est de devenir photographe à temps plein. Mais je n'ai pas que cet objectif, je me suis donné plein de petits objectifs, des aussi un petit peu plus gros, qui me motivent au quotidien et qui me poussent à continuer à sortir, à faire des photos. Alors juste vis-à-vis des vidéos que je vais produire sur cette chaîne, grâce aux ventes du calendrier et aussi de la vente que j'ai fait pour l'office de tourisme, je vais pouvoir m'offrir mon premier drone, un drone qui va beaucoup me servir pour illustrer mes vidéos, mes vlogs que vous voyez sur cette chaîne, mais aussi pour commencer à faire de la photo aérienne. Je sais que notamment sur les tantos, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Je suis très content de aussi cette nouvelle chose qui va arriver, ce nouvel outil qui va me permettre de créer de nouvelles choses encore. Donc ça, j'espère courant printemps pouvoir me l'acheter et vous montrer le résultat. Ensuite, pour continuer de parler de la chaîne YouTube, je vais essayer de continuer le rythme de une vidéo toutes les deux semaines. Et même si c'est beaucoup de travail, j'en ressors avec beaucoup de positifs. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas toujours à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner, parce que c'est un grand soutien et ça me permet de justifier un peu tout le temps aussi que je mets sur cette chaîne YouTube. Aussi, comme vous le voyez, j'ai essayé de me faire un petit studio juste derrière moi qui est plutôt propre. Je sais qu'il y a quelques améliorations à faire, mais pour le moment, j'en suis très content. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant j'ai un double écran et ça c'est vraiment le luxe. J'ai un grand écran qui est branché sur mon PC qui me permet d'aller beaucoup plus vite dans le traitement de mes images, dans aussi l'édit de ces vidéos. Parce que là, j'avais un 15 pouces assez petit et là, franchement, éditer sur les vidéos, par exemple sur le grand écran, c'est génial. Donc je remercie encore une fois ma chérie qui m'a offert ça pour mon anniversaire et franchement, dernièrement, c'est la chose qui m'a aidé le plus dans mon travail. Sur le côté droit, on a cet espace-là qui est vraiment mon fourre-tout en photo argentique. J'ai pas mal d'objectifs, pas mal d'appareils qui traînent là. Mon but dans les mois qui arrivent, c'est d'avoir une étagère sur le côté qui me permettra de beaucoup mieux ranger tout cet espace-là. Là, j'avoue que j'ai un peu tout assez ici. Juste en dessous, on a trois cases qui me permettent de ranger tout ce qui est matos de bivouac. Et aussi sur ce côté-là, on a un dérangement pour le matériel de randonnée et bivouac, qui est pour le coup vraiment bien trié. Avant, j'avais tout dans des sacoches, tout mélangé. C'était vraiment un enfer. Sur le mur ici, j'ai pu attacher un meuble que j'avais avant sur mon bureau qui me prenait beaucoup de place, mais qui est maintenant enfin fixé au mur et qui me permet de ranger tout ce qui est plutôt câble ou petites choses. Donc j'ai une boîte qui est liée vraiment à chaque utilisation. J'en ai une pour tout ce qui est nettoyage des appareils. J'en ai une tout ce qui est recharge, donc avec tous les câbles, les prises secteurs, etc. Et aussi sur la gauche, j'ai un petit espace armoire stockage qui là pour le coup est pas au top pour le moment, mais qui me permet de stocker tout ce qui est vente. Donc j'ai pas mal de cartes postales qui stockent là. Bref, c'est mon fourre-tout pro
Et aussi, j'ai pas mal de cartons de matériel que j'ai. Bref, j'ai vraiment de la chance d'avoir cet espace dédié à la photographie. Je compte bien en profiter pour notamment faire plus régulièrement des vidéos ou des petits passages dans mes vidéos en bureau. En ce début d'année, je marque aussi le commencement d'une réflexion que j'ai depuis un petit moment au sujet de ma photographie, de ce qu'elle veut dire, pourquoi je fais de la photographie. Je commence à atteindre les limites de faire de jolies images pour faire de jolies images. Faire de la photographie, par exemple, de paysages avec une image très belle d'un endroit reste importante pour, on va dire, promouvoir le territoire et aussi sur une réflexion plus écologique, montrer la beauté de la nature pour avoir envie de la préserver. Donc ça, c'était un petit peu le moteur et le sens que j'ai donné derrière toute ma photographie depuis que j'ai commencé. Mais ça ne me suffit plus. J'ai l'impression que j'arrive au bout de cet argument et j'aimerais bien maintenant travailler sur des séries, travailler sur des compilations d'images qui ont du sens entre elles et qui veulent dire quelque chose, donc soit qui racontent des histoires, soit qui peuvent faire réfléchir. Donc ça, c'est un travail qui va être assez long, je pense, plutôt dans la réflexion que je vais devoir m'imposer. En parlant des séries long terme que je peux faire, là donc j'en travaille une sur les tantos. Le tout va être de trouver un sujet, un angle qui peut être intéressant pour en faire un livre, parce que j'ai pas pour le moment envie de faire juste un livre de photos de paysages de les tantos. J'aimerais bien trouver un axe, quelque chose à raconter, et pour le moment je penche plutôt vers le côté préservation de la nature, qui est toujours très important pour moi, et donc pourquoi pas lier mes photos de paysages avec des acteurs du territoire qui préserve la nature et pourquoi pas donc raconter un petit peu tout cet espace naturel dans un livre et dans une exposition. C'est un projet qui me tient à cœur et je pense que j'ai quand même déjà beaucoup de matière pour l'avancer. Bref, cette année aura encore été très riche pour moi. J'en ressors comblé d'un point de vue personnel, tout se passe bien et j'ai hâte de voir ce que me réserve la suite. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines dans une prochaine vidéo et cette fois-ci, on sera dans la nature.